Pouvons-nous récupérer nos SMS supprimés? Une question que nous nous posons tous. La réponse est oui. Vous pouvez récupérer vos SMS supprimés. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter ma nouvelle chaîne HelpGoTrader qui a pour but de vous aider à atteindre la liberté financière. Je vous montre des stratégies que vous allez appliquer pour gagner beaucoup d'argent sur Internet en quittant de zéro en héros. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Vous pouvez le faire grâce à cette application qui est SMS Balcom Recovery. Donc, j'ai déjà publié l'application dans mon canal Telegram. Et les liens du canal se retrouvent dans les premiers commentaires. Sur le premier commentaire, cliquez, vous allez intégrer le groupe Telegram et vous verrez l'application sur le canal. Vous n'avez qu'à cliquer et télécharger l'application. Maintenant, après l'avoir téléchargé et installé sur votre téléphone, vous allez venir ici, vous allez l'ouvrir, SMS Backroom Restaurant. Donc, c'est ça. Là, c'est l'interface de l'application. Si on vous demande d'autoriser toutes les autorisations nécessaires pour faire fonctionner l'appli, vous allez accepter tout et puis c'est bon. Ça, c'est l'interface. Et il y a plusieurs options. L'option qui est très importante, ce qui nous intéresse ici sur sauvegarder. D'abord, on va sauvegarder nos SMS. Puis ici, sur sauvegarder. On va mettre le nom du dossier. Mettre au hasard, on clique simplement. On a sauvegardé maintenant 1667 SMS. Ok, maintenant c'est bon. Ok, c'est bon. Maintenant, si vous supprimez vos SMS, vous pouvez les récupérer. Comment vous allez faire? On va essayer de les faire. On cherche un message. On vient. On va supprimer un message. Exemple, c'est mercredi encore, la date est. Donc, ces messages qui en haut, on va supprimer. On va supprimer ces messages. Même avec ces messages aussi, ou bien on va supprimer. On supprime. Ok. Maintenant, on a supprimé. Comme ça, j'ai perdu ces SMS. Comment je dois faire pour les retrouver? Vu que j'ai déjà supprimé. Maintenant, vous allez retourner sur votre application. Vous avez vu le nom de l'appli? C'est ça. Pour ceux qui veulent le nom aussi. Mais sinon, j'ai déjà publié l'application sur mon canal. Vous pouvez aller. Vous avez vu. Donc, c'est ça. Donc, venez ici sur Restauration, qui est ici. Maintenant, vous cliquez sur Restauration. Si vous souhaitez restaurer. Donc, cette application, pourquoi je vous la recommande? Parce qu'elle est vraiment très simple à utiliser. Et en plus, c'est compatible aussi bien avec un téléphone 4, 4 ou plus, d'une version 4 ou supérieure à 4. Vous pouvez aussi, pour un téléphone 4, cliquer simplement sur oui, donc vous allez suivre les instructions. Mais si tu as un téléphone Android supérieur à 4, 7, 10, 100, 6, etc., là aussi. Donc, c'est ça, c'est une application qui est très simple, les gars. Donc, maintenant, vous venez ici, vous avez vu. Ce qui est en bas, c'est. J'avais sauvegardé. Là, c'est ce que je viens de sauvegarder. Vous pouvez afficher ce que vous avez sauvegardé, vous pouvez aussi récupérer. Vous cliquez ici. On clique ici sur afficher. Maintenant. On va patienter. Ok. Vous avez vu. C'est mercredi, blablabla, qu'on vient de supprimer ici, farotage, qu'on vient de supprimer. Voilà ces deux messages qu'on venait de supprimer. Vous avez vu les gars. On peut aussi les afficher. Comme ça, on peut. Il faut d'abord restaurer avant d'afficher ces messages. Sinon, là,
On a quand même retrouvé les messages, on peut lire et voir tous les détails. On n'a même pas besoin aussi de les récupérer. Et si on peut les restaurer en cas d'un point sur restauration ici, c'est bon, on peut. Vous avez vu? Maintenant, on a déjà restauré. On peut cliquer et puis on va afficher. Là aussi, vous avez vu. Donc, vraiment, les gars, c'est pas mal. Grâce à cette application, vous pouvez récupérer vos SMS supprimés. Vous pouvez aussi lire. On n'a pas besoin aussi même de récupérer. Vous pouvez simplement venir, vous pouvez lire aussi et laisser ça comme ça. Donc, vraiment, elle est ouf, les gars. Comme je vous ai dit, j'ai déjà publié l'application dans mon canal Telegram. Le lien du canal se retrouve dans le premier commentaire. Cliquez, intégrer le canal, téléchargez l'application. Installez, suivez exactement la procédure que je viens de vous montrer. Et puis, vous pouvez lire et faire tout ce que vous voulez avec l'application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux. Mais soutenez, n'oubliez pas aussi de vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir. Merci, bientôt, on se retrouve à la prochaine vidéo.